Donc là, on ouvre les portes. It being 11:05. Comme il est 11h05, la Chambre procédera maintenant à l'examen des affaires émanant des députés. Affaires émanant des députés. M100 sur l'apport des coopératives au nom de Mme Mendez. Madame Mendez, appuyée par M. Whalen, propose que, de l'avis de la Chambre, le gouvernement devrait reconnaître l'apport important des coopératives à l'économie et veiller à ce qu'elles continuent à prendre de l'essor en prenant des mesures concrètes, notamment à élaborer, en collaboration avec le gouvernement provincial et territorial, les communautés autochtones et le secteur coopératif, une stratégie fédérale de coopération visant à promouvoir et à appuyer le secteur canadien des coopératives. B. Présenter des rapports d'étape périodiques sur les objectifs et les cibles préalablement établis. Débat. L'honorable député de Brossard-Saint-Lambert. Monsieur le Président, chers collègues, j'aimerais d'abord remercier mon collègue de St. John's Est d'avoir bien voulu appuyer ma motion. M100, également connu sous le titre « L'apport des coopératives », est de favoriser l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie destinée à promouvoir et à appuyer le secteur des coopératives et des mutuelles au Canada. Il se peut que vous vous demandiez pourquoi j'ai conçu et déposé cette motion. Cela me fera beaucoup de plaisir de vous expliquer dans les minutes qui suivront. D'abord parce que la croissance et le succès du secteur coopératif et mutuel s'alignent parfaitement avec les objectifs de notre gouvernement. Ces objectifs qui rendront notre pays plus fort, avec une économie plus dynamique et diversifiée, par le biais de la création d'emplois durables et bien rémunérés. Des emplois aussi de haut calibre. Cette motion augmentera la compétitivité en réduisant les prix pour les biens et services et en fournissant de meilleurs choix aux consommateurs. Un all-around win. Tous seront gagnants. Moi-même, croyons que lorsque nous avons une économie qui œuvre pour la classe moyenne, nous avons un pays qui fonctionne pour l'ensemble de la population. Les coopératives sont souvent le meilleur véhicule que les entreprises traditionnelles pour créer un environnement qui renforce la classe moyenne et ceux et celles qui travaillent fort pour en faire partie. Monsieur le Président, honorables collègues, ces raisons et arguments sont pourquoi je suis ici aujourd'hui pour débattre et défendre cette motion. It is my belief that of many of my... J'estime, comme bien de mes collègues, que le gouvernement du Canada doit continuer de reconnaître le rôle important que les coopératives et les mutuelles jouent dans l'économie canadienne et continuer de s'assurer de l'essor de ce secteur. On a déployé des efforts pour reconnaître que le secteur coopératif d'aujourd'hui est aussi diversifié et innovateur que l'économie, mais ces efforts sont insuffisants. Dans le passé, les coopératives ont été associées à l'agriculture et à l'agroalimentaire, mais depuis, les coopératives sont devenues un modèle novateur dans presque tous les secteurs de l'économie canadienne et de l'économie mondiale. Depuis 2013, les coopératives non agricoles ne relèvent plus d'Agriculture Agroalimentaire Canada, mais bien d'Industrie Canada, un changement qui prouve que le modèle des coopératives a évolué et qu'il faut maintenant les considérer comme des égales, des entreprises individuelles, des partenariats et des sociétés. Cela constitue un progrès modeste. Accompagné par un mandat de fournir de la coordination et de la collaboration entre ministères, les différents paliers de gouvernement et ou avec le secteur coopératif lui-même. Cela veut dire aussi que le ministère ne peut pas mettre en œuvre des politiques qui auront un impact positif sur le développement des coopératives, qui combleront des lacunes dans notre économie et, ultimement, feront bénéficier les Canadiens et les Canadiennes d'un océan à l'autre. Ce gouvernement a d'ambitieux projets pour faire croître l'économie, aider la classe moyenne et soutenir ceux qui tentent de la rallier. Industrie Canada a été renommée et réorganisée. Maintenant appelée Innovation, Sciences et Développement économique, le ministère se concentre sur son ambitieux programme d'innovation qui aidera à atteindre les objectifs du gouvernement. Les coopératives et les mutuelles ont leur rôle à jouer dans ce programme et l'adoption de la motion M100 est une étape cruciale pour s'assurer qu'elles seront partie prenante de cette stratégie. Les coopératives sont novatrices par nature. Elles naissent pour répondre aux besoins des gens et se mettent au service de la population d'abord. Dans ma circonscription
de Brossard-Saint-Lambert, d'excellentes coopératives offrent des services essentiels en privilégiant le service à la clientèle. Par exemple, la coop Aide-Rive-Sud, coopérative de solidarité en soutien à domicile, offre divers services, notamment d'entretien ménager, préparation de repas, de courses, de buanderie et de coiffure. Depuis 1997, le nombre de membres utilisateurs de la coop Aide-Rive-Sud ne cesse d'augmenter, tout comme le nombre d'emplois créés pour les membres travailleurs. Les membres travailleurs sont tous des employés de la coopérative. Quant aux membres utilisateurs, ils comptent sur le dévouement de plus de 130 membres travailleurs, fiers de contribuer à une meilleure qualité de vie à domicile. Il va sans dire que les soins à domicile représentent un défi de plus en plus important au Canada et les coopératives constituent un modèle durable pour offrir un service axé sur la clientèle. Un autre exemple inspirant d'innovation, c'est la Guilde coopérative formée il y a 2 ans à Montréal. C'est un ensemble de 72 programmateurs de jeux vidéo qui se sont regroupés pour être plus concurrentiels sur le marché mondial du jeu vidéo. Fondée sur une structure démocratique et un modèle d'abus non lucratif, la Guilde peut répondre aux besoins des programmateurs indépendants de jeux vidéo et ainsi rivaliser avec les géants sur la scène mondiale comme Ubisoft. Un cadre faisant la promotion du développement des coopératives et des mutuelles au Canada et en explorant pleinement une stratégie sur la façon dont les coopératives peuvent participer à la croissance dans chaque région et dans chaque secteur émergent, nous pouvons maximiser les retombées positives du modèle coopératif au Canada. Au Québec, on peut constater les retombées des coopératives sur les économies locales. Dans les années 70, c'était au Québec que les frais funéraires étaient les plus élevés au Canada. Pour contrer cet état de choses, des citoyens se sont organisés au moyen du modèle coopératif et dans les décennies qui ont suivi, le Québec est devenu la province où les services funéraires sont les moins chers, services qui représentent un fardeau émotionnel et financier pour la grande majorité des familles canadiennes. Le comité spécial sur les coopératives, présidé par mon regretté collègue, l'honorable Maurice Bélanger, cite dans son rapport en mémoire de l'Institut de recherche et d'éducation pour les coopératives et les mutuelles de l'Université de Sherbrooke, en disant « La présence des coopératives funéraires depuis plus de 3 décennies a eu et continue d'avoir un effet régulateur en faisant chuter de 50% le prix des funérailles. » Many national cooperative success stories. Beaucoup de succès dans le secteur des coopératives n'aurait pu se réaliser sans le partenariat stratégique du gouvernement fédéral. Il y a plus de 50 ans, Arctic Cooperatives Limited a commencé à commercialiser la production artistique et artisanale et les produits de la fourrure et de la pêche commerciale. Ces activités traditionnelles sont devenues le cœur des premières coopératives qui se sont transformées en un réseau de 32 coopératives communautaires dans le Grand Nord. Arctic Co-ops est un succès, un exemple reconnu dans le monde du développement économique communautaire dans le nord du Canada. En 2012, Arctic Co-ops était au 24e rang au Canada en fonction des revenus totaux pour les coopératives non financières, succès qui dépend partiellement du soutien du gouvernement fédéral. Il y a bien d'autres exemples de succès, autant canadiens qu'internationaux, qui nous permettraient de combler des besoins économiques et sociaux. Le présent débat est une occasion de souligner ce qu'une stratégie nationale de développement des coopératives pourrait fournir aux Canadiens qui vivent en ville ou à la campagne, les Premières Nations, les Métis et les jeunes entrepreneurs, les minorités de langue officielle, les pigistes et les nouveaux Canadiens. Les coopératives sont un bon point d'entrée dans l'économie de l'innovation. Le mouvement coopératif est mondial et nous donne d'innombrables exemples d'innovation et de développement économique stable dont nous pouvons tirer des leçons. Le Canada n'a pas connu autant de succès que d'autres économies comparables dans le secteur des coopératifs. Nous nous classons au 31e rang en pourcentage du PIB généré par nos coopératives et mutuelles. Dans un pays où 18 millions de personnes sont membres d'une coopérative ou d'une mutuelle et que 3,4% du PIB est attribuable aux coopératives, nous pouvons faire mieux et plus. Besoin de regarder des pays comme la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas ou la France pour source d'inspiration.
Ce qui mérite d'être souligné dans ces pays est le retour du modèle coopératif de ces dernières années, spécifiquement dans les domaines de l'énergie renouvelable, des soins de santé et des coopératives entrepreneuriales qui laissent des professionnels maintenir leur indépendance, même en partageant leurs ressources. Par cette motion, je poursuis le travail entrepris par l'honorable Maureen Bélanger, un travail qui mérite tout notre respect, puisque le rapport du comité spécial fut conçu de manière faussièrement coopérative. Si elle est adoptée, la motion 100 donnera au gouvernement le mandat d'élaborer un cadre et une stratégie pour le développement des coopératives. Ce mandat est le catalyseur requis pour donner suite aux recommandations formulées par le comité spécial sur les coopératives, lancé par Maureen il y a presque 5 ans, à l'occasion de l'année internationale des coopératives. Already 5 years. C'était il y a déjà 5 ans. Vous conviendrez avec moi que le temps est venu de donner suite à ces recommandations, de dresser un plan, d'élaborer un cadre et d'aller de l'avant. Le travail déjà accompli jusqu'à maintenant. Le libellé de la motion M100 est précis, et si elle est adoptée, le soutien de la Chambre des communes pour l'élaboration d'une stratégie visant à renforcer l'économie coopérative au Canada sera fermement établi. Maureen a souvent dit que les coopératives, en particulier celles qui se lancent en affaires, font face à d'énormes défis lorsqu'il s'agit de financement et que le gouvernement fédéral a clairement un rôle à jouer pour les aider. C'est exactement ce que cette motion vise à établir. J'aimerais être claire sur certains éléments de la motion. M100 vise à aider directement les petites et moyennes coopératives qui pourraient être bloquées et ou qui connaissent une croissance très lente. Cette motion ne vise pas à aider les grandes coopératives comme Desjardins, la Coop Fédérée, Federated Cooperative Limited, Agropure, etc. Ces coopératives sont assez solides pour réussir en tant qu'entreprise et elles ne nécessitent d'aucun soutien supplémentaire. Small and medium-sized co-ops, on the other hand. Les petites et moyennes coopératives, en revanche, font face à des défis autres, l'accès au capital, le manque d'un cadre juridique et de bonnes données et statistiques, par exemple. Qui, dans une coopérative comptant bon nombre d'autres membres, serait prêt à contracter un prêt ou une hypothèque au nom de toute la coopérative? Quelle institution bancaire serait prête à consentir un prêt à une coopérative sans savoir qui serait responsable dans le cas d'un défaut de paiement? Les données et l'accessibilité à des statistiques relatives aux coopératives sont présentement aléatoires et incomplètes. Si celles-ci étaient centralisées, cela représenterait un support concret à la prise de décision par les dirigeants des coopératives. Les études et recherches les plus récentes publiées sur le site du gouvernement sous politique des coopératives ne sont pas à jour. En effet, l'étude la plus récente date de 2012, mais la série a été arrêtée. While I will not go into detailed proposed solutions, I'll just share. Je n'entrerai pas dans les détails des solutions proposées, mais je peux vous donner quelques pistes de solutions. Premièrement, l'élaboration d'une stratégie d'investissement. Deuxièmement, assurer un accès équitable au financement. Troisièmement, créer un cadre législatif pour permettre aux coopératives financières et non financières de prospérer. Et il y en a bien d'autres. Comme mon temps est presque terminé, je demande à tous mes collègues de voter pour le renforcement du secteur des coopératives et mutuelles. Mandat nécessaire au ministère de l'Innovation, des sciences et du développement économique pour explorer pleinement les possibilités et les synergies qui pourraient créer une économie coopérative, stable et localement enracinée dans toutes les régions du Canada. En tant que parlementaires, nous sommes élus par nos concitoyens pour répondre à nos besoins collectifs. En ce qui concerne les coopératives et les mutuelles, elles ne sont jamais imposées aux communautés. Elles naissent des besoins communs et sont démocratiquement sensibles à leurs membres. Il nous incombe de donner un mandat fort à la fonction publique de la part de tous les députés, de tous les partis, pour que cette stratégie prenne forme et réalité. Monsieur le Président, chers collègues, je vous remercie de m'avoir écouté dans le cadre de ce débat. Je suis impatiente de travailler avec vous afin d'améliorer notre économie, accroître la compétitivité et créer des emplois. Thank you, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président.